Bienvenue dans Bousquer la joie, un podcast qui a parlé de tout ça qui a rapport avec développement personnel et puis succès. Que ce soit succès dans la vie familiale ou du moins dans la vie professionnelle. On va parler un peu de ça au niveau de Haïti, mais LinkedIn c'est un réseau social qui est extrêmement important. C'est un réseau social même genre avec Facebook, à la seule différence que LinkedIn est fait pour professionnels. Ça fait quelques années, Microsoft a acheté LinkedIn. Donc, je ne le dis pas, LinkedIn, c'est pour Microsoft que lié. LinkedIn gagne un pile opportunité d'affaires sur son entrepreneur, un pile opportunité d'embauche sur son monde qui a cherché emploi. Donc, quitte ou son jeune étudiant qui fait fini, ou du moins un professionnel senior ou junior qui a cherché job, ou doit gagner un compte sur LinkedIn. LinkedIn permet de créer une image professionnelle pour les gens qui connaissent qui sont à faire et qui compétences. Nous allons parler un peu de qui est heureux qu'on peut faire sur LinkedIn et qui gens qu'on peut gagner un profil All Stars sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est un moyen gratis si par exemple, vous n'avez pas un code pour créer un blog ou vous n'avez pas un code pour faire un portfolio ou un site web pour vous, ou capable de gagner une présence en ligne avec LinkedIn. Alors, il y a plusieurs façons de gagner une présence en ligne parce que il y a plus de réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Facebook, etc. Mais LinkedIn, c'est le seul réseau social qui est purement dédié à professionnels. Donc, ce sont jeunes professionnels, un senior professionnel, un professionnel tout court, c'est extrêmement important pour que vous capable de gagner un profil sur LinkedIn dans la mesure où ça permet que ou vendre tout, ça permet que moun cherche connaissance qui est ou est et qui compétence qu'on gagne. J'en capable constater là, si par exemple ou tapez non moins, ou voir première recherche, premier résultat que Google tourne ba ou c'est profil LinkedIn moins. Jodi an, on va montrer nous qui gens que ou capable créer un profil LinkedIn qui capable intéressant pour que recruteur yo capable joindre nous ou du moins pour que n'importe qui monde qui veut connait qui est souillé ou bien qui veut faire affaire avant capable connait qui capacité que ou gagne. Alors l'autre clique sur lien hein. On voit que moi gagne profil LinkedIn moi qui monté là. Alors il y a plusieurs aspects dans profil LinkedIn. Premier bagaille ou joindre ça les cover photo qui même j'ai avec Facebook ou capable mettre un cover photo là ou capable mettre par exemple un bagage qui a rapport avec métier ou par exemple si c'est gain des programmeurs par exemple mettre des bagages qui a rapport avec programmation coding sous dans ressources humaines capable mettre un bagage qui a rapport avec ressources humaines ou capable mettre des bagages qui a rapport avec qui j'ai pour venir success successful dans la vie donc même mettre un page qui en photo qui représente chaîne YouTube moyen. L'extrêmement important pour que ou gagne une photo. Gagne pile monde qui gagne des profils LinkedIn et puis ou pas mettre photo. Un expert en matière de carrière qui est le Blair qui dit comme ça que monde qui gagne photo dans profil LinkedIn yo, yo gagne 21 fois plus de monde qui a regardé profil yo. Et il y a une chance pour gagner 36 fois plus de messages qui viennent joindre. Et photo m'a parlé hein, c'est une photo qui vraiment doit être faite de manière professionnelle, c'est pas Snapchat, c'est pas Facebook, c'est une photo, il pas de sticker sous lui ou bien ni filtre sous lui, c'est une photo qui vous faites avec une caméra extrêmement intéressant qui gagne en niveau de mégapixels assez élevé pour que lui capable paraître vraiment belle dans les yeux monde qui va regarder là parce que pas oublier c'est une image qu'on vend. Ou ap kreye sa rele yon branding pou tetou. Ou kreye yon imaj pou tetou pou kapab van tetou. Konsidere tetou tan kon prodwi. Donc c'est tetou ap van. Donc fòk ou gen yon photo ki kapab ou gen bust ou kapab paret, men li plus important pou ke tetou paret pou ke ou kapab van tetou en fason ki vraiment intéressant. Fòk ou souri nan photo a. Le plus important sou capable gagner une photo côté que ou a souri la donne. Ensuite, deuxième bagage là qui gagne c'est ça relé headline. Faut que headline ou capable vraiment dit ou bien décrit qui ça que ou y est. Sous c'est par exemple un professionnel dans domaine
informatique ou capable mettre administrateur système, administrateur réseau ou bien senior programmeur ou bien son ressources humaines capable mettre recruteur ou bien capable mettre directrice des ressources humaines etc. Mais fuck head ça les headline ou li pas forcément gain rapport avec t'a dit et job title ko gen kounyan mais faut qu'il gen rapport avec carrière ou expérience ko gen ki sa ko y en fait en réalité pour que les moun nan paraît là ouais li gen tan tout ouais qui est souillé par exemple si ou son expert en pâtisserie ou mettez directement expert en pâtisserie les ça moun nan connaît depuis le besoin font gâteau pour un bagaille la vin koto là là moi fait exprès moi mettez virgule des noms avec certification gen yo son sa son technique lié nan côté pour mettre nom on tout mettre qui certification me gagne constant mon pas besoin descendre juste en bas dans profil moi pour capable regarder qui certification me gagne li tout paraît là donc son technique côté que donc on mettre nom on mettre prénom là ou tout met, ou ka, tout mettre virgule et qui master gagne moi qui certification gagne constant pour moun cap garde profil on ou bien recruteur là capable tout well. Ensuite en dernier dernier partie en tête là ou gagner ça relé location hein. Location l'extrêmement important parce que LinkedIn lui-même les il a fait recherche les par exemple recruteur a cherché un monde si en fonction de zone area à côté lié hein que la chercher monde par exemple si on vive aux États-Unis vous mettez Haïti bon là ça il pas joindre nous parce que monde qui a cherché dans zone et on employé dans zone New York ou pas paraître dans résultat les moun al cherché dans bord de recherche LinkedIn nan. Dernier prochaine section li même li gagné ça relé en summary. Summary an, c'est un côté pour capable mettre par exemple 5 à 6 gros réalisations qu'on fait. Mais li pas doué en simple listing de réalisations qu'on fait. Son bagay qui pour vraiment intéresser moun nan qui peut capable permettre moun nan les lire li garder li di wow qui li veut qu'on aime moun ça plus. Faut qu'on raconte yon histoire. Ouais, faut dire qui est souillé, qui type de monde koyé, qui compétence technique qu'on gagne, qui compétence m'daga dit douce qu'on gagne, qui ça ko ka fè, qui type de monde koyé. Donc raconte une histoire, dit qui ça qu'on fait, qui pour qui ça yo ta supposé recruteur comme employé et qui ça qui spécial, qui gagne de spécial à propos de vous. C'est ça que on fait là dans summary. Summary c'est une partie qui pi important dans profil LinkedIn nous parce que c'est là où on est capable de faire en 5-6 secondes de résumé de qui est où. Ensuite là on gagne un dashboard qui privé à au même côté que ou capable voir qui comme monde qui voit profil ou etc. Ou capable mettre que ou on pour career advice c'est-à-dire LinkedIn capable ba ou recommander des monde pour demander conseils sur vie professionnelle ou sur qui ça vous ta fait. Ça veut dire l'on mettait on dans ça veut dire LinkedIn a proposé des monde qui dans secteur d'activité là pour qu'on capable demander conseil car oui intéressant là c'est si on là ça veut dire qui ça que ou disponible pour job ça veut dire ou quitter recruteur yo connaît que ou disponible pour des postes si on t'a voulu contacter all star ça qui ça veut dire all star ça veut dire que moi j'ai un profil all star les gars un profil all star ça veut dire que pas gen anken chan que moi kite ki vide nan profil moi et ça extrêmement important plus ou gen des champs qui vide c'est plus li plus difficile pour un moun jwenn sou LinkedIn si la chèche ou parce que ou gen profil ki poko fini là ou gen un résumé de article et de activité que m gen kounya la nou entre nan partie qui rele expérience là alors pour qui ça li important pour pas quitter champ vide c'est parce que chan vidéo pas permettre que algorithme LinkedIn nan fait des recherches sur vous-même. Par exemple, il y a des mots clés pour écrire si par exemple on a domaine programmation, faut écrire qui code, qui langage de programmation qu'on connaît, faut écrire qui skills qu'on gagne, sous t'es fait bénévole là, faut écrire, sous t'es écrit un article, faut écrire, qui éducation, sous t'es écrit séminaire, sous t'es suivre des séminaires, faut écrire, pas quitter aucun champ vide. Dans partie expérience là, faut qu'on pas mettre des jobs par exemple qui pas important. Par exemple, si aujourd'hui on c'est un auditeur comptable et que l'autre jeune ou t'es travaille dans marketing par exemple,
li pa important pou mete l. Donc, sa pou mete nan experience ou, se vraiment de nan pati experience lan, de experience kote genye e ki ekstremement enteresan pou recruteur lan, ki matche avèk kompetans ko genye. E le ap mete experience yo, pa mete selman, on ta ka di, yon listing de tout bagay ki ou te fè du mwen fi opérationnel ou bien routinye ko fè chak jou, men mete de bagay ki, on ta ka di, extraordinaire. De bagay ko te fè, ki te rapporte kompanyen, on ta ka di, on benefis. De bagay ki or du komen. E pi mete tout de chif. Mete de chif nan la mezyou ou, par exemple, la men mwen mete ke, mwen te analize 400 utilizateur pou 2700 konflik. Ouais, mete de chif ki kapap pemet kompanyen kompran ki porte travay kote fe a te genye e ki jan ke te util kompanyen koto tap travay la. Pa jist mete de bagay de tache kotidyen. Non, ou mette tout experience ko genye la yo, e pi tout travay kote genye ou pran son pou bien rempli yo. Ensuite, ou mette edukasyon, ki tout universite kote fe, koto te ale, etc. Ou ka mette tout de experience kote fe en matière de bénévolat, sa très important. Gine moun ki fe de kou intelligent, même experience, même si se te bénévolat li te fe, li pat paye pou sa, li mette nan parti et experience lan. Kon sa, li kapab mette li plus en valeur, parce que au fait, se pa on menti ke le fe, parce que son experience ke li tout ki kapab compte normalement, même si se te un bénévolat. Ensuite, gen sa rele skill and endorsement. Skills lan, se la ou klike add new skills pou ke ou kapab mette par exemple de kompetans ko genye, swa nan jesyon de proje, nan patisri, nan programasyon, nan administrasyon rezo, etc. Tout kompetans ko genye, ke se so an matyèr de komunikasyon, ke se so an matyèr de du point de vue teknik, ou mette tout. Endorsement lan li menm se lè ke on moun li vini li di oui, moun sa ou li konn project management vraiment, li konn patisri vraiment. Par exemple la, mwen genye on zanmim ki rele Dagren ke mwen endorse li di ke li konn project management et puis me dit oui, moun sa li konn project management vraiment. Parti recommandation, c'est là qu'on capable mande en recommandation. C'est quand on lettre de recommandation que li. Si par exemple ou te travay avec on moun sa li sou LinkedIn tout et que ou te collaborer ensemble avec, ou capable cliquer là et pour mande en recommandation et puis ou taper nom moun nan là. Lè sa moun nan capable écrire une recommandation. Li extrêmement important pour que ou gagne au moins 3 recommandations sur profil LinkedIn nou pour que li capable intéressant. Là ou capable écrire accomplishment tout, c'est-à-dire qui sont fait, certification qu'on gagne et qui langage qu'on parler, etc. LinkedIn, c'est un réseau social que lié. Donc, il est extrêmement important pour que vous postez photos, postez articles, tout bagay qui fait sens et puis qui a un rapport avec champ d'activité. Alors, on peut poster photos, par exemple, bagay côté manger, ou bien photo chien, photo famille, côté total en fête, ou bien soit à faire pendant un week-end, non? Des bagay qui pas un rapport extrêmement avec vie professionnelle. Ou on peut poster des bagay qui intéressant pour champ d'activité, pour secteur d'activité. Par exemple, là, ouais, j'ai écrit un article sur audit informatique, parce que c'est domaine moi. Et me poster des bagages qui ont rapport avec informatique. Tout ça que me poster, faut que li gagne une certaine valeur professionnelle pour que l'autre monde capable intéressé, parce que si on poster des bagages comme si tant que c'est sur n'importe quel réseau social, tant que c'est sur Instagram ou t'es, non seulement on perd des connexions et moun tout kap commencer pas suivre encore. Donc réseau LinkedIn non, c'est un réseau social, tant que tout réseau social yo lié, faut qu'on poste, mais on poste des bagages qui purement professionnel. Et dans réseau d'amis qu'on gagne, on capable cliquer sur connaître ou chercher des moun et puis ou capable chercher des moun que ou voulez gagner pour capable permettre que ou gagne plus d'amis, plus connexion. Ensuite ou capable mettre par exemple dans profil ou des photos, des vidéos, par exemple ou capable record tête ou capable parler de ou capable mettre un lien vers blog ko gagne, vers portfolio ko gagne, ou capable mettre photo CV, photo certificat ko gagne. Donc ou capable upload ensemble de documents, t'as dit
en tant que pièce jointe. Ensuite, li ekstremman enpòtan tou pou ke ou kapab update profil ou de tan zan tan pou ke yo kapab konen ki progrè ko fè, ki amelyorasyon ko fè nan profil ou paske li pa dwe rete pureman statik. Ensuite, nan denye paj lan, gen tout kompani yo sou LinkedIn, c'est-à-dire Microsoft, IBM, Apple, ou kapab suiv yo sou LinkedIn epi klike pou ke lè ke yo gen yon job ki poste pou ke yo kapab konen. Ou fèt, sou LinkedIn, ou kapab kreye sa rele des alert. Par exemple, aktuellement, pa gen ken job ki poste sou LinkedIn pou m pa ou kouran ki an Haiti. Ta di, m kreye yon alert sou LinkedIn pou di m depi yon job poste sou LinkedIn e ke se an Haiti liye, fèm konen. Ta di, depi yon moun nou kelkon kompani poste yon job sou LinkedIn e job sa baze an Haiti, li voun yon email pou mwen ki kapab pèmèt li dim men ki post ke liye, men nan ki kompani e se an Haiti ke liye. Nou kapab kreye yon alert pou nèpòt ki peyi nan mod lan, ou kapab di e, moun nan, debi son job ki gen rapò avèk administrasyon rezo, par exemple, e ki nan Kanada, nan vil Montreal, voye dim sa. E pi, LinkedIn ap pèmèt ke ou konen chak fwa ke gen yon post ki disponib, yon job ki disponib nan vil Montreal, nan Kanada, e ki genyen rapor avèk administrasyon rezo. E lè, rekruteur yo ap chèche tou, se pwede sa li important pou ke ou mette de mot kle nan profil ou, lè rekruteur yo ap chèche, ou kapab wè sa, e moun, an fonksyon de ki job ko ap chèche, ou kapab wè ke moun yo, yo paret ou paret nan recherche par exemple si la cherche un moun ki se administrateur système et vous te di nan profil ou que ou se administrateur système et bien on paret nan résultat on pwèl paret nan notification et ensuite gen pile l'autre bagay que LinkedIn ka m ap permet ou fè que m pa gen tan développer là avec pou mais ça qui essentiel là c'est point ça que m te vle montrer nous de qui gens ou capable créer un profil LinkedIn qui extrêmement intéressant et qui capable de permettre que vous joignez des débouchés, vous joignez des opportunités, des jobs et pour vous capable de connaître qui type de monde vous avez, qui compétences vous avez et qui est capable de faire ensemble avec vous. Premier erreur que vous capable de faire sur un compte LinkedIn et que vous cherchez un job, c'est que vous avez un profil et puis vous ne mettez pas photo. Ou bien vous avez une photo qui n'est pas professionnelle du tout. Alors, sous son professionnel et pour recevoir en demande d'amis qui pas gagné de un profil qui pas gagné photo, c'est sûr que il pas accepter parce que premier bagage là c'est impact, c'est premier image pour balancer photo et faut make sure que vous choisissez une photo qui gagne un background qui unit en général blanc ça pas mieux quand vous choisissez l'autre couleur tout mais essayez pour aussi c'est une photo qui est très professionnelle et une photo qui a un background uni. Pas mettre une photo côté dans mais pas mettre une photo côté où tu as dansé, pas mettre une photo fancy. Mettez une photo qui est très professionnelle s'il le faut avec un tailleur ou bien un costume. Donc, souvent, on profil LinkedIn et qu'on cherche un job, faut que vous make sure que vous mettez une photo et si c'est une photo, mettez une photo qui est très professionnelle. Deuxième erreur qu'on est capable de faire, ou gen des recommandations qui pas fin trop ça. Dans LinkedIn on capable gagner des ça relé des recommandations même genre capable faire une lettre de recommandation pour vous. Donc make sure que si on monde a mettre une lettre de recommandation pour vous, il pas dire un bagage qui vague ou un bagage qui pas fin trop gain poids. Il pas important pour que vous gagne en pile recommandation, si vous gagne en trois recommandations, c'est déjà ça, c'est bien. Mais make sure que trois recommandations ça c'est des recommandations qui ont sens, qui vaut la peine, qui expliquer qui gens ou sont professionnels, qui compétents et qui capable grandir. Troisième erreur qu'on capable faire dans le profil LinkedIn, c'est que vous mettez dans le job description, vous mettez toute liste de job pour dépasser, mais vous juste mettez seulement le titre. Bon, ça c'est déjà ça, mais si vous avez un job pour dépasser, vous juste mettez le titre. Titre yo pas forcément veut dire même bagaille dans toute compagnie yo. Donc soit mettre un titre, make sure que mettez titre là et puis ensemble avec des détails de qui soit fait dans la compagnie, comment t'es aidé compagnie dans atteindre objectif li et ça que compagnie te permet que
qui ça peut te permettre de compagnie réaliser dans différentes tâches que tu as fait chaque jour, pas juste mettre dit. Quatrième bagaille là, quatrième erreur que tu vas faire, c'est que vous avez un headline qui est terrible, qui pas bon. En général, le headline là, c'est ça que tout le monde voit, fait commenter sur le profil. Si vous faites un commentaire, vous mettez souriant sur la tête, c'est ça qui apparaît. Headline là, c'est le premier bagaille qui apparaît dans le profil. Donc, sur un headline, en général, par défaut, LinkedIn prend le dernier job title que tu as dans le dernier job. Elle dit, le dernier titre post que tu as c'est le même limité. Mais ou pas obligé de quitter. Ou capable de mettre propre headline par. Si vous êtes professionnel dans le design, vous mettez soit à aimer que les gens connaissent pour lire. Parce que forcément, vous avez travaillé dans votre job pour là. Mais ce n'est pas forcément ça que vous avez aimé que les gens connaissent que vous avez que compétence. On dit que vous travaillez dans une factory, donc on fait logo. Peut-être que dans la headline, vous avez mis logo creator ou bien logo design. On va faire comme ça. Donc, dans la headline, vous êtes capable de personnaliser et puis mettre ça que vous avez aimé. Ensuite, le dernier bagage, c'est utiliser des mots-clés. Sur le design par exemple, il faut que je make sure que vous mettez des mots-clés comme design, création, média, des barrières comme ça parce que les recruteurs ont cherché un monde qui est dans le design pour que s'ils tapent un mot-clé pour qu'ils soient capables de nous. Donc il faut que vous connaissiez les niches. Niche, c'est qui secteur évolue. Est-ce que c'est dans la technologie? Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est dans la restauration? Est-ce que c'est dans la musique? Donc, cherchez un mot-clé qui vient avoir avec Michou pour que vous soyez capable de mettre en dedans le profil. Merci un peu parce que vous avez accepté Bousquer la joie ensemble avec nous. Pas oublier, vous êtes capable de vous abonner à ce podcast sur Google Podcast, sur Android et sur mon iPhone. Vous pouvez installer Anchor, l'application Anchor, pour vous abonner. Dans le podcast là et puis pas oublier partager avec vos amis on se tient mail et puis restez branché pour prochain épisode là.